Tous les déchets de Saint-Laurent viennent ici. Putain, ça pue, je t'assure. Putain, il y a une odeur morbide, man. Et regarde. C'est... Corbeaux, ouais. Et c'est quoi le truc là-bas? Oh, franchement, il y a même des. Il y a des enfants qui s'amusent dans le bassin, man. T'as regardé là, là? Là, là, en bas. Oh, c'est chaud. Putain! Oh franchement, vous réalisez que là on est à la décharge de SLM, ça veut dire tous les ordures viennent ici. Et il y a même des gamins qui sont en train de faire toboggan, c'est un truc de ouf. Et je vous dis que la Guyane c'est le Far West, il n'y a pas de respect ici. Non, il y a la corruption et il n'y a que de la merde. Ouais. Franchement. C'est trop bête. Mais... Oui, à la décharge avant, on y venait pour récupérer des pièces de moteur parce que la douane coupait les engins en deux, on récupérait des moteurs, des pièces de scooter et ensuite on trafiquait ça, ensuite on revendait, voilà. Donc avant, ouais, je venais là, mais aujourd'hui on est venu pour jeter des trucs là et j'ai vu ça, ça m'a un peu interpellé quand même. Ouais, ok. Moi plus. Mais c'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. On voit bien que c'est structuré. Ouais, c'est structuré, c'est mieux structuré. Parce qu'avant. C'est recyclé, tout ça. Faut cher pour des filles, qu'est-ce qu'on voit ici? Ouais, mais non, assez. Kawa modèle. Mais sauf que on pouvait trouver des pièces de moteur, mais plus aujourd'hui. C'est ça le truc. Aujourd'hui, il n'y a plus de moteur. Hein. Tout est compacté, écrasé. Donc, faire du recyclage, c'est plus la peine d'en trouver des pièces.